Bonjour, monsieur le président. Bonjour, bonjour. Monsieur le président, merci. Petite... Monsieur, s'il vous plaît, La construction historique, l'ambition historique de ce grand ensemble européen ne peut aller sans difficultés, tensions de toutes sortes. Mais il doit y avoir une âme ou un bout d'âme qui permette à certains moments, non seulement par l'innovation et la qualité de la gestion, mais par l'esprit qui l'anime, de permettre de transcender ces difficultés. Il ne suffira pas de réaliser un grand marché sans frontières, ni même ce qu'induit l'acte unique, cet espace économique et social commun. Il nous incombe, dès avant 1993, de donner plus de chair à cette communauté et pourquoi pas un supplément d'âme. Difficult to arrange a meeting by phone. Well, that is perfectly true. I was in New York. You yes. Were the president. Well, you have I been. I'm sorry, but it's not possible to. No, thank you. Thank you. Well, I've tried this. I've tried, you know, from Europe and from France. South Africa, yes. And before, you know. You intend to visit other countries? No. From here. Sans le paquet 1, pour parler vite, l'acte unique et l'objectif 92 n'auraient pas pu être réalisés. Ce qui a été fait depuis 7 ans maintenant repose donc sur 3 décisions de base, l'objectif 92, le changement du traité connu sous le nom de l'acte unique et ce que l'on appelle le paquet 1. Il en est de même, me semble-t-il, pour appliquer les nouveaux traités ou les nouveaux accords
qui ont été obtenus à Maastricht. Alors, monsieur le président, seems you lost Congressman Stenholm on the economic package. And those who don't won't, and they may raise whatever reasons they want, but they had an opportunity that they've not had in a dozen years, and I've given it to them. C'est avec beaucoup d'émotion, comme vous pouvez l'imaginer, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Tout d'abord pour vous remercier, en mon nom personnel, mais aussi pour le compte de tous mes collègues et amis qui ont travaillé au sein de la Commission depuis 1985. Quand l'idée me fut présentée, je manifestais quelques réticences. Ne fallait-il pas réserver cet honneur à d'autres militants de la construction européenne? Était-il décent de l'attribuer à une personne encore en vie? Ou bien s'agissait-il de précéder de quelques mois le départ de l'intéressé? Fort heureusement, je ne suis pas superstitieux, mais il n'empêche que je serai plus vigilant pour mon état de santé dans les mois qui viennent. Par ici, s'il vous plaît, monsieur. De vous revoir. Moi aussi. Soyez les bienvenus. Merci. Mais évidemment, Solène. C'était pas trop tard, pas monsieur. Hein? On m'a dit que normalement tout va bien, c'est tard. Oui. Les courageux, parce que moi je fais plus grand chose. Enfin, à la maison. Oui. Les courageux. Oui. Deux ans plus que moi. Il n'a même pas dit Juncker, elle a des gens. Oui. Elle se rappelle toujours quand tu